Cher Yabigalwa, ce soir, je suis ailleurs, je suis ici. The beauty of the beast et moi, nous partageons dans les vagues au bord du fleuve. Le crépuscule cède doucement sa place à l'obscurité pendant que, longtemps, je marche. D'une hauteur de seulement 3 à 9 pouces, les vagues arrivent avec toute la puissance du fleuve en longue lancée plate sous la brillance de la pleine lune. Rose tout à l'heure, jaune danse maintenant, demain bleu, dit-on. Par cette marée montante, je ressens les nourritures de nos eaux planétaires. Là où je suis, le Saint-Laurent mesure presque 2 kilomètres, moins large qu'avec chalet de la petite rivière Saint-François, mais quand même une masse d'eau énorme et toujours impressionnante pour l'âme du désert et de montagne que je suis. Fertile d'identité et d'histoire pour les peuples du Québec, il m'a apprivoisé. Par ses nuances de couleurs, de temps, de saison et de beauté, il m'a apprivoisé. Et j'ai appris à l'aimer, à m'y baigner même. J'y ai recours souvent. Les vagues de noir pur tonnent maintenant contre la grève, me soutiennent pendant que j'écris. The beauty of the beast, Gabrielle, c'est celle que je suis. Femme, artiste à la fibre de mon être, sa force lucide, sa fine intelligence, sa beauté, sa conscience du monde, alerte, son saisie de la réalité vue et vécue, ses tendresses, son habitude de vivre, sa générosité et sa sexualité toute intacte. Cette force interne de femme, beastly, heureuse d'être entière dans l'acte de ses créations. Quand je me brouille, je fais appel à elle, cet être-là, pour me rapailler, pour recommencer, repartir, revivre, time and time again. Dans mon atelier, on trouve une feuille de papier où il y a bien des années, j'ai gribouillé la promesse de lui rester fidèle. Elle s'est inscrite en moi. Je la renouvelle. Et je suis arrivée de ce pays lointain, de Colorado, pour approfondir mes études de la langue et la littérature française. Oui, vous voyez, cette année marquante de vivre le Québec libre. J'étais enthousiaste à ma découverte de nouveaux pays en devenir. J'ai voulu revenir. Je suis revenue. Je me suis engagée à travailler corps et âme avec mes collègues et amis pour défendre la langue française, protéger sa qualité, établir les cégeps. Voilà que se révèlent vos mains généreuses, solidaires, nos espoirs de fleurs, de soleil.